Bonjour à toi, comme tu l'as vu dans le titre de cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire de l'affiliation en 2024. Et quand je te parle d'affiliation, c'est pas juste mettre ton petit lien à droite à gauche en priant et en courant autour d'un feu pour faire des ventes. Non, je vais te donner une vraie stratégie qui va te permettre de faire des revenus récurrents et surtout des vrais revenus. Comme d'habitude, c'est pas avec rien, il va falloir travailler, il va falloir mettre un système en place. Si tu es intéressé par ça, cette vidéo est faite pour toi. Je vais tout t'expliquer. Alors avant toute chose, qui suis-je pour te parler d'affiliation? Je m'appelle Thomas Joe si tu ne me connais pas et ça fait plus de 7 ans que je fais du business en ligne. J'ai généré plus de 400 000 euros avec de l'affiliation sans pour autant que ce soit mon business principal. Et je vais t'expliquer ça après justement. C'est quelque chose que je regrette aujourd'hui parce que je sais qu'en me focusant un peu plus sur l'affiliation, j'aurais pu monter un bien plus gros business. Mais encore une fois, on ne peut pas être partout et on ne peut pas tout faire. J'ai décidé de mettre mon focus sur d'autres sujets. Mais l'affiliation, c'est quelque chose que je connais très bien, que je fais beaucoup. Et j'ai eu beaucoup de partenaires d'affiliation. Je t'en parlerai tout au long de cette vidéo. Donc comme tu vois, cette vidéo, elle va être d'une traite. Je vais te parler de choses comme si c'était un live. Et je vais pouvoir t'expliquer tout simplement ce que j'ai mis en place et comment toi, tu peux le mettre en place aussi. Alors qu'est-ce que c'est l'affiliation, avant toute chose? L'affiliation, c'est tout simple. C'est... Tout le monde va t'expliquer que c'est comme si tu faisais du bouche-oreille mais que tu étais payé. Moi, je vois plutôt comme un agent commercial, c'est-à-dire que tu es en fait le commercial. Ton but, c'est tout simplement de trouver le client pour un produit qui existe déjà. Donc, tu es un intermédiaire, tu es un middleman, ce qu'on dit en anglais, c'est-à-dire que tu as un produit, tu as un client qui peut être intéressé et toi, au milieu, tu mets la liaison entre les deux et tu récupères ta commission. Donc, évidemment, la plupart des programmes d'affiliation, tu vas toucher une commission. La plupart, même 99%. Certains vont te donner, en fonction de ta notoriété, de la base, donc un revenu fixe. Mais honnêtement, c'est tellement, tellement épisodique que je ne vais même pas en parler. On va se focus sur de la commission pure et dure. D'accord? Donc, en fonction du type de produit que tu vas vendre, tu auras plus ou moins de commission. Les produits digitaux peuvent aller de 40 jusqu'à 60%. Les produits physiques peuvent aller de 0,5 à 10%. Encore une fois, ce qui est intéressant, c'est de trouver le juste milieu, ce qui est intéressant pour toi et surtout comment tu vas pouvoir y aller. Donc, je vais t'expliquer là-dedans, mais retiens bien que toi, si tu veux t'intéresser à l'affiliation, ton job, ça va être quoi? De trouver des clients ou du trafic et de trouver un bon programme d'affiliation. C'est tout. Tu n'as plus rien à faire et c'est la beauté de l'affiliation. Tu n'as pas à créer de produits, tu n'as pas à gérer le SAV, tu n'as pas à penser à faire des pages de vente, etc., etc. Tu as juste à faire les deux. Alors, évidemment, on va travailler un peu plus là-dedans, mais c'est tout. Il faut que tu maîtrises ces deux choses. Donc, un, trouver un bon programme d'affiliation, en faire une belle offre, et derrière, trouver la personne qui pourra être potentiellement intéressée et qui trouvera de la valeur dans ce produit dont tu fais la recommandation. Ok? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plein de stratégies pour faire de l'affiliation. Moi, l'affiliation dont je vais te parler dans cette vidéo, c'est l'affiliation, on va dire, la plus classique. Tu crées du contenu ou tu trouves une communauté avec de l'acquisition payante ou gratuite, peu importe. Et derrière, tu vas tout simplement faire la promotion d'un produit ou d'un service en rapport avec la niche, la thématique de ta communauté. Il y a plein de thématiques, notamment, j'ai un très bon ami qui lui scrape des listes email, donc en cold. Donc en trafic froid, il scrape des listes email et derrière il envoie des produits mass market sur tout simplement des produits d'affiliation. Moi c'est quelque chose que je ne fais pas, je n'ai jamais fait et je ne maîtrise pas, donc je ne vais pas parler de ça et je ne vais pas prétendre que je suis expert alors que je ne le suis pas. D'accord? Moi je vais te parler de ce dont je connais, là où je suis bon et évidemment il faudra que tu comprennes que c'est ma vision de faire de l'affiliation. Il y a autant de stratégies et de visions qu'il y a potentiellement de vrais bons entrepreneurs. C'est-à-dire pas tant que ça au final. Mais il y a énormément de stratégies. Et évidemment, c'est à toi de voir ce que tu préfères, ce que tu veux mettre en place et comment tu veux le faire. D'accord? Donc moi, clairement, j'ai mon système à moi que je vais t'enseigner en partie dans cette vidéo. Mais mon système, c'est quoi? C'est tout simplement donc de trouver une audience, de trouver un bon produit et d'être au milieu en créant une belle offre qui va donner de la valeur à mon audience. Et moi, où je vais avoir de la valeur, c'est évidemment en récupérant une bonne commission. Beaucoup font l'erreur de penser que l'affiliation, en fait, c'est un sous-business. Et qui dit sous-business dit sous-résultat. Qu'est-ce que j'entends par sous-business? C'est tout simplement, beaucoup pensent qu'il suffit de mettre un petit lien par-ci, à droite, à gauche, et que ça fera l'affaire. Malheureusement, les personnes qui font ça sont des personnes qui aujourd'hui n'ont pas des résultats. On est sur des résultats entre 50, 100, 300 euros par mois. Alors qu'avec le système que je vais te présenter dans cette vidéo, on peut vite monter à 5 000 euros par mois. Et en vraiment, 5 000 euros, c'est un très grand minimum. On peut aller bien plus haut. J'ai des amis aux États-Unis qui font du 50, 100, 200 000 euros par mois. Alors je sais, ça peut paraître énorme, énorme,
Mais rappelle-toi, ce n'est pas de l'argent pour toi, c'est de l'argent pour ton entreprise. Et ça, c'est bien différent. Donc pense vraiment à ça, mais sache que si tu traites l'affiliation comme un sous-business et n'importe quel business comme un sous-business, alors forcément les résultats que tu auras seront des sous-résultats. L'affiliation, comme tout autre business, il faut le traiter avec respect et il faut bien travailler. Mais je peux t'assurer que pour moi, l'affiliation, c'est un des meilleurs business à lancer. Et pourquoi? Tout simplement parce que tu n'as pas de produit à créer, pardon, et tu n'as pas de SAV à gérer. Et ça, je peux t'assurer que ça va te faire gagner un temps précieux et surtout, tu vas pouvoir être assez polyvalent et trouver les meilleurs produits à droite, à gauche. Mais je vais t'expliquer vraiment comment ne pas faire les erreurs que tout le monde fait et comment tu vas pouvoir te démarquer. J'ai ma petite mind map où je t'ai tout expliqué pour que tu aies la vidéo la plus complète. Donc parfois tu m'entendras cliquer, regarder un peu à droite à gauche, c'est normal. Alors, au tout début, moi j'ai commencé l'affiliation en faisant la même chose que tout le monde. C'est-à-dire que je commençais à faire du contenu, je commençais à avoir une petite audience et qu'est-ce que je faisais? C'est que je donnais mon lien partout. Et donc évidemment quand tu fais ça, tu as des petites ventes à droite, à gauche et tu es content. C'est-à-dire que oui, tu as des résultats, oui, tu as des gens qui passent par ton lien, oui, c'est intéressant, mais au final, le problème, c'est que ça, c'est traiter l'affiliation comme un sous-business. C'est-à-dire que tu vas avoir des résultats qui vont être en dents de scie, tu ne vas pas avoir des vrais résultats prédictibles, et donc forcément, bah, un coup, tu vas faire 50 euros quand tu débutes, après, tu vas peut-être faire le mois à 300, mais l'autre mois, tu vas faire 10 euros. Il n'y a pas un truc qui est stable et ça ne te permet pas d'avoir une vraie vision. C'est normal parce que, en fait, quand tu fais ça, tu n'apportes rien. Pourquoi les gens ont intérêt à passer par ton lien? Et je reviendrai après dedans, dans les différents secrets que je vais te proposer par rapport à l'affiliation, mais c'est important de comprendre. Et peu de personnes, en fait, se mettent à la place du client final et beaucoup de personnes sont trop égoïstes. Et donc, ce qui s'est passé, c'est qu'au début, je faisais ça et j'ai commencé tout simplement à me remettre en question. Si ça marche pas, quel est le problème? Et le problème, c'est clairement pas le business model, puisque l'affiliation, je connais beaucoup de personnes à l'époque qui gagnent de l'argent avec. Donc quel est le problème? Et du coup, j'ai commencé à tout remettre à plat. Et ce que j'ai fait en 2018, c'est que j'ai tout simplement commencé à faire de l'affiliation avec de la pub. Donc en fait, ce que je faisais, c'est que j'offrais un cadeau gratuit. Donc j'offrais soit une magnet, soit une formation, soit tout simplement un e-book. Et derrière, je proposais de rentrer donc dans ma liste email. Et dans ma liste email, derrière, comme la lead magnet était en rapport avec un produit spécifique, ça me permettait derrière de les rediriger à travers une séquence de 3-4 emails, de les rediriger tout simplement vers mon produit d'affiliation. Et en fait, ce que je faisais, c'est que je ne faisais plus simplement de l'affiliation en mettant mon lien. Ce que je faisais là, à travers cette offre, c'est que j'apportais quelque chose. Donc par exemple, un produit où je faisais beaucoup la promotion, c'était un produit qui t'apportait la possibilité, c'était un logiciel qui t'apportait la possibilité de publier, je crois que c'était sur Facebook, YouTube, enfin bref, ça permettait je m'en souviens plus très bien, mais ça permettait de publier un peu partout, sur tous les réseaux sociaux de l'époque, et c'était très puissant. Mais moi, ce que j'apportais en plus, au lieu de laisser juste mon lien et de dire, bon bah voilà, débrouille-toi, ce que j'apportais en plus, c'était des formations en rapport avec ces réseaux sociaux. Donc j'ai sorti une formation, petite formation avec 5 réseaux sociaux qui étaient évidemment présents dans cet outil et comment pouvoir profiter au mieux de ces réseaux sociaux. Et les gens récupéraient ce programme gratuitement en passant par mon lien. Évidemment, ils devaient passer par mon lien pour recevoir la formation, mais ça leur permettait d'avoir tout simplement accès à une formation gratuite. C'est très intéressant parce que du coup, on passe complètement dans un nouvel univers qui est au lieu de juste mettre mon lien et de prier pour que quelqu'un passe par mon lien, là, je mets mon lien. Mais j'apporte quelque chose en plus. J'apporte un cadeau en plus si la personne passe par mon lien. Et d'ailleurs, petite parenthèse, j'ai un ami qui fait ça très très bien pendant très longtemps. Il donne des signaux de trading. Et en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il y avait une plateforme qui s'appelle Vantage FX, qui, si tu ramenais un affilié, te donne 500 euros, tout simplement. Et donc, ce qu'il fait, c'est que lui, comme son programme, je crois, il était à 49 euros par mois, à peu près 500 euros à l'année, pour envoyer des signaux de trading, il dit, bah, si tu passes par mon lien, tu as la première année totalement gratuite. Donc, avec la première année, tu as le temps de faire du bénéfice. Et donc derrière, l'année d'après, si tu es content, évidemment, tu pourras et tu seras même plus enclin à pouvoir effectuer ton premier achat. Donc ça, c'est très intéressant d'apporter un cadeau supplémentaire. Tu vois, tu apportes de la valeur. C'est pas juste passe par mon lien, s'il te plaît. Ok, mais pourquoi je passerai par ton lien? Qu'est-ce qu'il y a en plus? Okay. Donc toujours apporte des choses en plus. Donc j'ai vraiment bien développé ça et l'affiliation, comme je te dis, c'est quelque chose que j'apprécie énormément, où je travaille beaucoup dessus. Et la preuve, je suis aujourd'hui le sixième programme d'affiliation sur System.io. Donc
System.io, il y a à peu près 300 000 personnes qui sont dessus. Je suis le sixième programme d'affiliation. Pourquoi? Tout simplement parce que je connais l'affiliation et j'ai formé des centaines de personnes à faire de l'affiliation, ce qui m'a créé une armée d'affiliés. Et derrière, ces affiliés ont pu pousser mes produits, ce qui m'a permis d'être bien meilleur que tous les autres experts en affiliation. Tu regarderas sur cette liste, il y a des gens qui se proclament experts en affiliation, ils ne sont même pas dans les six premiers. Alors que moi, je suis loin d'être un expert en affiliation. Par contre, moi, la différence des pseudo-experts, j'ai des résultats. Je te l'affiche juste ici pour que tu vois que c'est pas du bullshit. Et si jamais tu veux regarder par toi-même, tu vas sur System.io Marketplace et tu regardes programme d'affiliation. Tu verras bien qu'en termes de valeur totale, je suis tout simplement le sixième programme en termes de valeur. D'accord ? Et toute cette connaissance de l'affiliation m'a amené à quelque chose d'assez incroyable. C'est tout simplement en 2022, donc il y a 2 ans maintenant, j'ai mis en place une stratégie qui m'a rapporté 150 000 euros en 3 mois. Alors je sais que ça peut paraître énorme, je sais que pour certains c'est bullshit. Encore une fois, je te montre la vidéo, ça a été payé en crypto parce que oui, c'était quelque chose en crypto et c'est quelque chose qui m'a permis en fait d'accéder très rapidement à de l'affiliation de très haut niveau. Pourquoi? Comment? C'est simple. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai couplé mes 2 règles fondamentales que je verrai évidemment dans les secrets, mais les règles sont 1. Un bon produit qui paye bien et 2. Un bon produit qui apporte beaucoup de valeur à mon client final. Et pour ça, moi, j'ai créé une belle offre avec une vraie valeur que j'offre à mon client final. Et c'est pour ça que c'est intéressant. Quand tu matches les deux, bah derrière, tu as des gros revenus. D'accord ? Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais pas tant de personnes que ça. Je crois qu'au final, pour faire 150 000 euros, j'ai touché, je crois, pas plus de 350-500 personnes. C'était pas énorme au final. Quand tu regardes le nombre de personnes versus l'argent généré, c'est pas énorme. Parce que rappelle-toi que c'est de l'affiliation. Donc, je touche pas 100% de la vente. Donc, ça, c'est intéressant. Ok ? Maintenant, quels sont ces 3 secrets ? Alors, le premier secret, c'est tout simplement le bon produit. Alors, je sais que ça peut paraître bateau, mais le problème, c'est que tout le monde aujourd'hui fonce sur les mêmes produits. 1. L'affiliation Amazon en prenant le même produit, en le mettant le même produit en avant. 2. Les mêmes logiciels. Par exemple, en ce moment, dans le business en ligne, ce qui marche très très bien, c'est de faire la promotion de System.io. Et si je dis aujourd'hui, tu commences l'affiliation en faisant la promotion de System.io, tu vas te faire déglinguer, je te le dis tout de suite. Pareil pour ceux qui font ClickFunnels. C'est pas intéressant et surtout, ça n'amène à rien parce qu'il y a déjà des gens qui sont dessus. Et ensuite, tu as les mêmes produits vraiment mass market, du style iGraal, etc., etc. Des produits où tous tes influenceurs préférés ont déjà passé dessus depuis des années. Ils ont déjà récupéré un énorme, énorme bout du marché. Et si toi, tu arrives aujourd'hui avec ces, on va dire, ces produits un peu fades, sans on va dire sans originalité, tu vas te faire éclater parce que ces produits ont déjà été défoncés par toute ta concurrence qui sont déjà passés. Donc forcément, faut pas oublier, si la personne passe par ton lien, mais qu'elle est déjà cliente chez quelqu'un d'autre, bah toi, tu touches pas l'affiliation et surtout, cette personne ne peut pas être client. Donc c'est pour ça que c'est le problème de beaucoup de personnes, l'affiliation ne marche pas pour eux parce qu'ils prennent les mauvais produits, d'accord? Donc comme j'expliquais, pour que un bon produit soit validé comme un bon produit, il faut valider ces 2 caractéristiques. La première, c'est une forte demande et la deuxième, c'est une forte marge. Beaucoup de personnes, malheureusement, se trompent. Ils préfèrent se concentrer sur une forte marge, mais du coup, il n'y a pas beaucoup de demande. Et à l'inverse, beaucoup de personnes se concentrent sur une forte demande, mais pas beaucoup de marge. Et donc forcément, tu dois trouver en fait le juste milieu qui va te permettre d'avoir assez de billes pour pouvoir être gagnant sur les 2 axes. Je vais te donner une liste de 5 idées de produits que tu vas pouvoir faire. Évidemment, ceux qui me connaissent, j'en ai bien plus dans ma manche, mais c'est les 5 produits qui sont très intéressants. Le premier, c'est les jeux vidéo. Si par exemple, tu as une petite communauté, je crois qu'il faut 1000 personnes, tu peux rejoindre le programme d'affiliation de Epic Games. Epic Games, c'est ceux qui font les moteurs Unreal Engine et qui ont évidemment Fortnite, pour ceux qui connaissent. Bah, imagine maintenant que tu fais du contenu sur Fortnite. Et c'est ce que font tous les créateurs de contenu. Ils font du contenu sur Fortnite. Fortnite est un jeu gratuit, donc ça veut dire mass market, donc énorme demande, d'accord? Je crois que c'est le jeu le plus joué actuellement, enfin, au moment où je tourne cette vidéo. Et derrière, s'ils utilisent le code créateur de l'influenceur en question, pour nous, on s'en fout, mais c'est de notre code 4 heures. Et bah, ce qui va se passer, c'est que les personnes vont toucher 5% de tous les achats in-game. Alors, tu vas me dire 5%, c'est pas énorme. Oui, mais là, on parle sur un volume qui est tel qu'en fait, ça peut aller très, 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 très vite. Et ce qui est bien, c'est qu'un jeu vidéo comme Fortnite, qui est un game as a service, donc qui est un GAS, ce qui va se passer, c'est que tu vas avoir des gens qui vont rester très longtemps. Je connais des gens, moi, qui jouent depuis 2017 à Fortnite. Donc, imagine le montant qu'ils ont dépensé entre 2017 et maintenant. Ça peut se compter en centaines, voire en milliers d'euros.
Imagine, toi, tu récupérais juste une partie sur une personne. C'est énorme. Et donc, c'est des personnes qui vont continuer d'acheter, 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 d'acheter. Donc ça, c'est une stratégie qui est très intéressante. Si aujourd'hui, tu as une passion pour les jeux vidéo, bah, sache que tu peux largement la monétiser. Ensuite, un produit qui, je ne comprends pas pourquoi, mais n'est pas du tout exploité sur le marché français, c'est les billets d'avion. Tu ne peux pas savoir l'argent qu'il y a à faire avec l'affiliation de billets d'avion. Alors évidemment, petite parenthèse pour ceux qui connaissent ma stratégie Travel Hacking, on ne parle pas de ça, ça n'a rien à voir, là on parle d'affiliation. Et pour tous les autres, je peux vous assurer que en faisant la promotion de places de marché pour des billets d'avion, c'est exceptionnel ce que tu peux avoir comme récompense avec des billets d'avion. Encore une fois, il faut créer une vraie stratégie, il faut bien créer les choses en place, mais je peux t'assurer que tu peux gagner beaucoup d'argent. Ensuite, c'est évidemment les abonnements récurrents. Abonnements récurrents peuvent être les SaaS, donc les Software as a Service, les logiciels avec abonnement, mais pas que. Ça peut être aussi des produits avec abonnement. Je te donne une idée. Je sais qu'il y a une entreprise qui s'appelle Dollar Shave Club aux États-Unis, Dollar Shave Club, donc pour se raser, et qui ont tout simplement créé des rasoirs à abonnement. Donc par exemple, faire de l'affiliation pour ce type de produit, c'est intéressant parce que tous les mois, tu vas toucher donc du mass market, quelque chose qui est obligatoire. Un homme a besoin de se raser, d'accord? Et tu vas toucher tout simplement des revenus en continu. Par exemple, si tu es sur la thématique de la famille, de la parentalité, tu peux tout simplement faire ça avec des couches. Tous les mois, tu as besoin d'un certain nombre de couches et donc tu peux prendre une commission là-dessus. Donc ça peut être intéressant parce que les abonnements récurrents vont t'apporter quelque chose, comme le nom l'indique, qui est la récurrence. Et donc tous les mois, en fait, tu vas pouvoir capitaliser sur le travail que tu as fait en amont. Et ça, c'est juste génial. Un autre produit qui est intéressant, c'est les produits liés à la finance. Donc, beaucoup de choses, notamment les comptes en banque, cartes de crédit, etc., etc. Mais tu as plein d'autres choses. Tu as plein d'autres choses. La finance est une des industries qui paye le mieux. Et pourtant, peu de personnes vont là-dedans. Parce qu'il faut connaître, il faut savoir de quoi on parle. Et évidemment, il faut aimer pour trouver les bons produits. C'est évident. Mais je peux t'assurer que la finance, on n'est peut-être pas sur de la grosse demande. Par contre, on est sur des pourcentages de commissions qui sont tels que les résultats peuvent être juste dinguissimes. Pour donner un autre exemple, un des produits à la finance que j'ai fait depuis 2017 et qui m'a rapporté beaucoup d'argent depuis, c'est tout simplement d'avoir recommandé à l'époque Binance. Binance qui aujourd'hui est devenue la plus grande plateforme crypto-monnaie. Dis-toi que à chaque fois que quelqu'un qui est passé par mon lien fait une transaction sur Binance, moi je récupère une petite partie des frais de transaction pris par Binance. Donc ça me permet tout simplement d'avoir des frais de transaction, un petit bout qui est envoyé tous les jours chez moi. Ça me permet forcément d'augmenter mes résultats de façon très 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 passive et le tout sans trop d'efforts, puisque une fois que la personne est passée par mon lien, ça continue encore et encore. D'accord? Et enfin, une niche qui est un peu plus problématique en France, mais en soi, il faut juste comprendre de quoi on parle, c'est la niche de la santé, c'est-à-dire des produits, notamment compléments alimentaires qui est le plus connu, mais pas que. Il y a plein d'autres choses, et encore une fois, avec le bon produit, avec les bonnes caractéristiques entre bons produits et bonnes marges, on arrive à avoir des choses très intéressantes. Les produits que je viens de te citer, évidemment, ce n'est pas les meilleurs. Ça, c'est des thématiques qui sont intéressantes où il y a peu de monde, mais ce n'est pas du tout les meilleurs. Il y en a plein d'autres que je garde dans ma manche, évidemment, parce que je ne veux pas que tout le monde saute dessus. D'accord? Ensuite, le deuxième secret qui est pour moi le plus fondamental, c'est tout simplement de créer une vraie offre. Beaucoup de personnes, malheureusement, comme je le disais, mettent juste leur lien et ils prient. Et ils tournent autour du feu, ils espèrent, et je sais pas ce qu'ils font, mais ils attendent que l'argent tombe. Ça ne passe pas comme ça. Le business ne marche pas comme ça. Et aujourd'hui, si ton business se repose sur le fait de j'espère que la personne va passer par mon lien, tu n'as pas de business. Un business est quelque chose qui est un système. C'est-à-dire qu'un business, ce n'est pas de l'aléatoire. Un business, c'est prédictible. Et un business, si tu mets le bon système en place, ça passe tout seul. Et donc, normalement, si tu as un bon business, tu devrais pouvoir planifier combien vont être tes résultats le mois prochain. Évidemment, on ne peut jamais planifier à 100%, mais tu ne peux pas avoir un mois à 50 €, l'autre à 300, l'autre à 10. Ça n'existe pas. Tu devrais avoir un mois qui est plus ou moins stable, et s'il n'est pas stable, il grossit et il croît. Tout simplement parce que tu dois avoir quelque chose qui est un système qui va tout simplement compound, donc qui va faire des intérêts composés sur le travail que tu as mis en amont. Aujourd'hui, dans l'affiliation, malheureusement, personne ne crée d'offres. Et quand j'explique de créer d'offres, c'est tout simplement que tu vas apporter quelque chose en plus à tes clients. Pourquoi le client passerait par ton lien? Le fameux What's in it for me? Le client, qu'est-ce qui est pour ton client? Pourquoi il cliquerait pour ton lien et pas quelqu'un d'autre? D'accord? Le problème, c'est que 99% des gens qui font de l'affiliation aujourd'hui sont égoïstes. Ils ne pensent qu'à eux et ils oublient le fondement essentiel.
quel est l'intérêt à passer par ton lien? Alors, tu peux soit créer une offre, soit les programmes d'affiliation, ça se fait de plus en plus, vont créer une offre pour toi. Mais pour moi, c'est même pas suffisant. Cette offre, c'est quoi? C'est certains programmes d'affiliation vont, quand les personnes passent par ton lien, proposer une réduction supplémentaire. Donc, par exemple, si tu passes par mon lien, tu as 20% supplémentaire, etc., etc. C'est bien, mais là, tu vas être en concurrence avec tout le monde. Donc, encore une fois, si tu veux te démarquer et avoir des résultats hors du commun, tu vas devoir faire des choses hors du commun et donc ajouter une nouvelle strate, c'est-à-dire que tu vas tout simplement créer une vraie offre qui permettra forcément à ton client de se dire « Attends, j'ai Michel qui me propose 20%, mais j'ai par exemple Thomas qui me propose 20% plus ça, plus ça, plus ça. » D'après toi, lequel des deux il va choisir? C'est ça qu'il faut que tu réfléchisses, c'est la réalité des faits. C'est que si tu veux des résultats, tu vas devoir tout simplement avoir une vraie stratégie. D'accord ? Et donc, comme je le disais, la plupart des personnes qui sont dans ce business, et quand je dis la plupart, c'est bien 99% du temps, même tes influenceurs préférés, ils ont un problème parce que leur business est un business en dents de scie. Mais si je te disais qu'aujourd'hui, tu pouvais tout simplement avoir un système récurrent et avoir des revenus prévisibles, je pense que ça t'intéresserait. Ce système, dis-toi qu'il pourrait tout simplement te permettre de gagner chaque mois beaucoup plus que le mois d'avant. Parce que comme je t'expliquais, tu vas avoir un intérêt composé, un travail d'intérêt composé qui va continuer et qui va compound, comme on dit en anglais, qui va donc le mois 1, tu fais 1000, le mois 2, tu fais 1200, le mois 3, tu fais 2400 et ça monte petit à petit, ça va faire un escalier et au fur et à mesure, en lycée, ça va faire une vraie croissance. Bah ça, dis-toi que c'est possible, mais encore une fois, il faut mettre en place ce système, d'accord? Comme je disais, un système, c'est la vraie clé d'un business. Si tu n'as pas de système dans ton business, alors tu n'as pas de business. Donc, encore une fois, tu as le choix. Soit tu fais de l'affiliation comme un sous-business en ne prenant pas soin de l'affiliation et donc forcément tes résultats seront des sous-résultats. Soit tu mets en place un vrai système qui te permettra de créer une vraie opportunité de revenus. Encore une fois, quand je te dis 5000 euros, ce n'est pas énorme pour de l'affiliation, mais pour même n'importe quel business en ligne parce que, rappelle-toi, on est en ligne, donc on vise le monde entier, ce n'est pas énorme. Sache que c'est possible, c'est largement possible. Oui, ça demande du travail, mais ça demande surtout de la stratégie et un vrai système. Maintenant, le troisième point, c'est tout simplement comment tu vas pouvoir décupler tes résultats sans effort. Est-ce que tu connais le syndrome du coup d'un soir? Le syndrome du coup d'un soir, c'est tout simplement ce que les gens font avec l'affiliation. C'est-à-dire qu'ils vont tout simplement créer un complément de revenus. Ils vont tout simplement créer un one shot. Ils vont tester une fois et au lieu de créer un empire, ils vont juste faire un coup d'un soir. C'est-à-dire que les personnes vont faire la recommandation d'un produit. Le produit va plus ou moins marcher et après, ils vont passer à un autre produit, etc., etc. Et jamais personne ne va tout simplement créer un vrai empire avec une vraie stratégie et un vrai système. Ce qu'il faut comprendre, c'est que en affiliation, comme dans n'importe quel business, peu de personnes comprennent l'importance fondamental de travailler son audience et de créer une vraie relation. Beaucoup de personnes, comme je le disais, mettent son lien et espèrent un jour avoir une vente, sans même comprendre que tout le travail qui a été fait en amont peut être retravaillé. Imagine si demain, et moi c'est ce que j'ai fait dès 2018, tu faisais l'acquisition d'une audience. Donc tu récupérais l'email ou le contact de cette audience et cette audience te faisait confiance sur un problème, sur un sujet précis. La perte de poids, le business en ligne, la finance, etc. Peu importe. Est-ce que tu ne penses pas que ça serait plus intéressant pour toi si au fur et à mesure, en fait, tu leur proposes donc des produits en affiliation, mais ce qui est intéressant, c'est que tu vas pouvoir proposer plusieurs produits en rapport avec ça. Et donc, tu as des personnes qui vont tout simplement vendre plus aux mêmes personnes et donc encaisser plus d'argent. En créant une vraie audience et une vraie communauté, tu vas avoir des personnes qui vont tout simplement racheter chez toi plusieurs fois des produits différents et donc leur valeur dans ta communauté vont être beaucoup plus élevées que la plupart des personnes. Et encore une fois, c'est la clé, c'est de créer tout simplement une vraie audience. Une vraie audience va te permettre de passer à des revenus en dents de scie à un vrai revenu sur le long terme. Et je peux t'assurer que avec très peu de personnes, tu peux atteindre ces fameux 5000 euros par mois sans aucun souci. Encore une fois, évidemment, il faut faire le travail en amont. Et encore une fois, il faut comprendre ce que c'est l'affiliation. L'affiliation, c'est un vrai business et ce n'est pas fait pour tout le monde. Parce que beaucoup de personnes pensent que c'est facile, beaucoup de personnes y arrivent sans
être préparés et en espérant gagner de l'argent en mettant leurs liens à droite à gauche. Laisse-moi dire, ces personnes-là qui continuent à faire ça resteront sur le bord de la route. Maintenant, si tu as apprécié ce que je t'ai partagé pendant ces 25 dernières minutes, je pense que tu as aussi apprécié ce dont je vais te parler aujourd'hui. C'est aujourd'hui, tu as le choix. Soit tu mets ton lien partout et t'espères faire un peu d'argent en affiliation. Soit tu te prépares. Comme un athlète de haut niveau, tu te prépares et tu mets en place de vraies stratégies pour avoir de vrais résultats. Et si c'est le cas, j'ai créé un programme qui est mon plus gros programme sur l'affiliation jamais créé à ce jour par mes soins. Ce programme s'appelle Affiliation Pro et il va tout simplement te permettre d'avoir les fondements pour un vrai business d'affiliation. Comme je te disais, l'objectif de ce programme, c'est de te faire gagner 5000 euros par mois. Est-ce que tout le monde va y arriver? Bien sûr que non, mais c'est l'objectif. Avec ce programme, tu auras les bases pour atteindre ces résultats. Et je peux t'assurer que ces résultats sont largement atteignables et je ne serai pas choqué si dans quelques semaines, des gens font bien mieux que 5000 euros par mois. L'idée, c'est de te faire changer ta vision sur l'affiliation et de gagner 5 ans de business en moins de 90 minutes. Je vais te préparer un programme condensé qui ne sera pas du divertissement, qui ira droit au but pour t'apprendre tout ce dont tu as besoin de savoir pour faire de l'affiliation. Et donc en gros, je vais t'expliquer avec ce programme comment tu vas pouvoir changer et transformer ta vie grâce à l'affiliation et surtout transformer ta vision de l'affiliation. Mon but, c'est que tu quittes ton travail et que tu changes de statut dans ta vie grâce à l'affiliation. C'est largement possible. Pour ça, je vais t'expliquer les 7 péchés capitaux de l'affiliation, ce que tu dois absolument bannir si tu veux réussir. Ensuite, je vais tout simplement t'expliquer le plan infaillible d'un système d'affiliation qui va te permettre de te distinguer immédiatement de ta concurrence. D'accord ? Ensuite, je vais t'expliquer évidemment le tutoriel technique facile A à Z pour comprendre comment lancer dans l'affiliation, comment on va gérer les liens, comment on va traquer, comment on va trouver tout simplement un bon produit pour une bonne audience, le tout sans être un ingénieur en informatique. On va garder ça le plus simple possible. Moi, je ne suis pas un ingénieur, je ne suis pas un développeur, j'aime pas me prendre la tête avec ça. Donc, ça va être très facile, mais très complet. Et surtout, comment tu vas pouvoir débuter dès le soir même où tu auras regardé le programme. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais t'enseigner la magie de l'offre. Comment on va créer une vraie offre où les personnes se battent pour passer par ton lien? Avec cette stratégie, je peux t'assurer que je reçois énormément d'emails de personnes qui veulent passer par mes liens, tout simplement parce qu'ils savent que les bonus qu'ils vont avoir en cadeau sont tellement puissants qu'ils veulent absolument passer par ce lien. Donc, je vais t'expliquer comment on va transformer un produit en affiliation en une offre exceptionnelle sur laquelle 1. Tes taux de conversion vont augmenter et 2. Les personnes vont limite passer par ton lien et te donner de l'argent vraiment rapidement et pour toi gratuitement parce que tu verras que l'effort, il n'est pas si important que ça. Je vais te présenter aussi l'erreur fatale qui produit en fait l'effet inverse dans la tête de tes prospects. Il y a une petite erreur que beaucoup de monde font et je vais te montrer comment surtout ne pas la faire. Je vais t'expliquer en 5 étapes, rapidement, montre-moi en moins de 10 minutes, comment tu vas créer une offre d'affiliation. Et comment aujourd'hui, avec n'importe quel programme d'affiliation, je peux arriver à créer une offre rapidement en moins de 10 minutes. Je vais te montrer et t'enseigner cette même stratégie et donc tu pourras faire exactement la même chose. Ensuite, je vais t'expliquer comment tu vas objectivement pouvoir valider ton offre. Il va y avoir un pré-test qu'on va mettre en place, qu'on fait et que je fais aussi à chaque fois que je teste une offre. Et en moins de 30 secondes, tu vas savoir si ton offre est intéressante ou non. C'est très rapide, c'est très facile, et tu vas voir que c'est très intéressant. Je vais te montrer 3 exemples d'offres qui ont vraiment réussi et surtout, je vais t'offrir mon template pour créer une offre à succès. Ensuite, une fois qu'on a trouvé donc ces bonnes bases et comment créer une belle offre, on va faire la stratégie Oasis. Comment trouver les perles au milieu du désert? C'est-à-dire comment on va trouver tout simplement les programmes d'affiliation qui vont nous rapporter entre 3000 à 50 000 euros par mois. Encore une fois, je sais que c'est énorme, mais je peux t'assurer que si tu traites l'affiliation comme un vrai business, c'est pas si déconnant que ça. Je vais t'expliquer la méthode contre-intuitive qui me permet de trouver des produits performants dont personne ne parle et encore une fois, pas même tes experts en affiliation. Je vais te montrer des stratégies qui sont tellement inconnues du grand public que tu vas avoir une avance considérable par rapport à tes compétiteurs. Je vais aussi te montrer comment disqualifier un produit en 3 critères. Les 3 critères, ils prennent même pas une minute à mettre en place et tu verras qu'en fait, tu vas pouvoir sélectionner tes produits bien plus rapidement. Ensuite, je vais t'expliquer les 5 niches délaissées qui permettent de générer du vrai cash.
Et enfin, je t'explique la méthode de la carte au trésor, c'est comment trouver des offres d'affiliation délaissées par la masse alors que c'est celle qui rapporte le plus. Je vais te montrer ma stratégie, tu vas voir qu'elle est hors du commun, mais qu'elle est très intéressante quand tu la mets en place. Enfin, on va utiliser évidemment l'intelligence artificielle. Après avoir eu les bonnes bases, on va pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour booster nos résultats. Donc l'idée, c'est tout simplement d'augmenter nos résultats de 5 à 10 000 euros par mois. Évidemment, il faut avoir déjà un business qui tourne grâce à l'IA. Donc, je vais t'expliquer les trois moyens de générer du cash grâce à l'intelligence artificielle et évidemment l'affiliation. Je vais te montrer aussi les outils peu connus, mais qui me permettent de démultiplier mes résultats en réduisant drastiquement mon temps de travail. Donc, à l'inverse de Nicolas Sarkozy, on travaille moins pour gagner plus. Je pense que tout le monde aime. Et surtout, les nouveautés dans le milieu du SaaS. Donc, comment on va changer notre approche de l'affiliation grâce à l'intelligence artificielle et au SaaS. Je vais te montrer tout ça et tu vas voir que c'est très intéressant. Ensuite, évidemment, je vais te présenter la méthode scaling. Donc, on a un bon business qui tourne, qui marche bien, etc. Ok, comment maintenant on scale notre business et le transformer en un véritable empire? Je vais tout t'expliquer, mais l'idée, c'est de transformer ton activité en vrai business pérenne qui va te permettre de créer un revenu récurrent et surtout répétable au cours des mois suivants. C'est vraiment le but, c'est que tu aies un business qui tous les mois te rapporte de l'argent et surtout t'en rapporte encore plus. Donc je vais te montrer comment tu vas associer un nom à un produit et comment tu vas devenir expert de ta thématique. Ensuite, je vais t'expliquer comment tu vas pouvoir scaler ton affiliation derrière en faisant un vrai business. Et évidemment, je vais te donner mes meilleurs plans d'affiliation. Je vais te montrer où tu vas pouvoir trouver les meilleurs plans d'affiliation et ce que tu vas faire pour avoir les premiers résultats avec les meilleurs produits en affiliation et c'est en général les gens ne connaissent pas du tout ces plateformes ou ces produits. Tu vois que tu vas pouvoir faire l'affiliation de n'importe quel produit, encore une fois, si tu le désires. Et en bonus, si tu passes à l'action en regardant cette vidéo avant vendredi soir, je vais tout simplement t'offrir un bonus 100% gratuit. C'est comment tu vas faire pour voler le trafic du programme d'affiliation en question. Donc je te prends un exemple. Encore une fois, ne pas reproduire cet exemple parce que ce n'est pas le bon exemple, mais c'est juste pour que tu t'imagines. Imagine qu'aujourd'hui, tu fais la promotion de l'outil System.io. Encore une fois, je ne le recommande pas, mais je le dis. Est-ce que tu aimerais que ton lien soit en priorité avant le lien même de System.io? Je pense que 100% des gens vont dire, bah oui, évidemment. Sache que c'est possible. Évidemment, je ne te conseille pas de le faire directement. Pour moi, c'est plus une méthode qui est un peu avancée, mais c'est quand même une stratégie qui est très intéressante et qui permet de fait d'avoir des résultats bien plus intéressants que les personnes qui ne mettent pas ça en place. Donc ça, c'est une stratégie de scaling qui est très puissante et qui permet en fait que ton lien passe tout simplement avant le lien officiel de l'entreprise en question. Donc ça, je vais tout t'expliquer et tu vas voir que ça va être très intéressant. Donc si tu es intéressé pour rejoindre le programme Affiliation Pro, tu as le lien juste en dessous et n'hésite pas parce que le lien avec le prix que tu vois actuellement, c'est un prix de lancement. Le prix va doubler, on est à plus de 250 euros de réduction sur notre prix de lancement et ensuite le prix augmentera à son prix normal classique. Je peux t'assurer que le contenu qu'il y a dedans, n'importe quel expert en affiliation du marché aimerait l'avoir parce que on sait de quoi on parle, on sait ce qu'on a fait et surtout on a fait du vrai revenu avec l'affiliation. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas. En tout cas, sache que tu as 250 euros de réduction plus le bonus si tu passes à l'action avant la fin du lancement. Tout est indiqué sur la page, donc je te laisse lire, je te laisse bien regarder et je peux t'assurer que si tu passes à l'action, tu auras des vrais résultats. Je te remercie encore une fois de ton attention. Si tu es encore là, merci, n'hésite pas à le mettre en commentaire et à me le dire. Et surtout, passe à l'action. À bientôt et merci à toi.